Là. Je suis vraiment ravie d'avoir tout ce monde autour de nous et puis de voir que notre jeunesse molaisonnaise, par l'intermédiaire du Conseil municipal des jeunes, a encore sévi, puisqu'on a battu le record de l'année dernière, puisqu'on est à plus de 960 jouées. Donc, alors, c'est un record qui est en plus nécessaire et important parce que c'est vraiment des jouets qui vont être offerts donc, à la population molaisonnaise qui en a vraiment besoin. Et c'est vrai que rien que pour ça, on ne peut que les applaudir et les féliciter. Bravo à vous. Bravo. Je vous félicite parce que c'était pas gagné. Les temps ne sont pas faciles pour tout le monde, mais à force donc de faire, et cette activité est de plus en plus connue. Hein, maintenant, elle est attendue aussi dans certains établissements. Je sais que des personnes âgées ont carrément été achetées des jouets dans des foyers clubs restaurants pour pouvoir mettre parce qu'elles ont un certain âge, donc elles n'ont plus de jouets chez elles. Donc elles n'ont pas hésité à aller acheter pour pouvoir mettre dans la corbeille. Et ça, je trouve que c'est un geste très fort parce que voilà, elle va pouvoir en faire profiter donc les tout petits et puis les plus grands. Donc c'est vrai qu'il y a eu donc les 4 collèges qui ont participé donc à cette récolte. Le foyer de club restaurant Jules Ferry et Jean Mazagran. Donc Mazagran, c'est du côté. C'est vers Ambroise-Croizat. C'est vers Ambroise-Croizat plutôt. Hein, il s'appelle comme ça. Donc c'est dans ces foyers-là effectivement des personnes sont allées acheter et mettre dans la corbeille. Et j'ai trouvé ça vraiment un geste très très fort. Et d'autant plus que les personnes étaient vraiment sensibles à la démarche. Voilà, c'est une première fois, au niveau des foyers clubs-restaurants. Et je sais pas, il y a eu vraiment un engouement, une envie des personnes, on va dire, de la troisième jeunesse, pour pouvoir donc s'adresser donc à la première jeunesse. Voilà. Donc c'est à refaire, je pense. Bien sûr, donc on a eu l'espace Montluçon Jeunesse qui a encore une fois donc accueilli les jouets et la cité administrative. Voilà. Mais dans tout ça, ça a été effectivement le réseau qu'ils ont mis en place, le réseau qu'ils ont essayé de dynamiser, le réseau qui existe déjà depuis un petit moment maintenant, à force de faire. Maintenant, on vous connaît, vous pouvez vous présenter en tant que conseiller municipal jeune, monsieur le président. On vous connaît maintenant bien, puisque vous êtes de plus en plus présent donc, sur un certain nombre de manifestations. Et donc c'est très bien. Et puis en plus, ça fait voir aussi que des jeunes peuvent mettre en place des actions, des activités pour les autres. Ils en ont plein, c'est pas la seule. Ils n'ont pas que celle-ci durant l'année. Ils en ont d'autres qui s'adressent donc à leur amie moulissonnais et moulissonnaise, mais celle-ci les touche particulièrement parce qu'on arrive en une période de fête, on a en mémoire tout un tas de choses qui se sont passées ces derniers mois en France, donc c'est vrai que c'est une activité, une action qui les touche particulièrement. Et pour nous, quand on est élu, c'est l'importance aussi de ça, les jeunes prenaient la parole, les jeunes prenaient l'initiative, c'est bien de le dire, mais il faut aussi leur laisser la place. Voilà. Et cette place, ils l'ont prise, et c'est vrai que c'est important qu'on leur laisse la place, ils ont des choses à dire, des choses à faire. Donc l'élu, à un moment donné, doit se pousser, l'adulte doit se pousser et laisser la place, c'est la relève. Voilà. Je suis venue accompagnée de mon petit-fils, vous voyez, je suis désolée, mais en même temps, vous voyez, je commence à être poussée vers la porte, pour laisser la place donc à ces jeunes qui un jour nous remplaceront. Voilà, bravo à vous. Tu dis deux petits mots? Oui. En tant que le président du CMJ, et puis vraiment, c'est toi qui a poussé ton équipe à continuer et qui continue bien d'ailleurs. Oui. Tourne le dos, mais voilà. Ah, je vais me permettre donc de prendre la parole, puisque Manuel Lamadon. Je vais essayer de faire court, on me reproche de faire à chaque fois un peu trop long. Donc c'est ce que fait le maire de Montluçon d'ailleurs. Bon. Et je te signale que tu lui as dit un jour, je prendrai votre place. Donc tu vas jamais. Non. Oui. Voilà, mais on a encore le temps. Oui. Donc je vais me permettre de vous faire un petit récapitulatif de ce qu'est un jeu à sourire, parce que je pense que tout le monde connaît plus ou moins, mais bon, c'est toujours intéressant de savoir. Le projet jeu à sourire est né il y a à peu près 4 ans, donc justement à l'espace Montluçon Jeunesse, avec l'élaboration de ce projet.
Et donc, à l'origine, c'était une récolte de jouets pour une seule association. Si je ne me trompe pas, c'était le Secours Populaire la première année. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un certain engouement au niveau des collèges et au niveau aussi de l'espace Montluçon Jeunesse. Beaucoup de collégiens se sont attachés au projet. Et au fil des années, il y a eu une certaine notoriété de ce projet. Et donc, en plus des jeunes, comme l'a dit Manuela, la troisième jeunesse, les clubs retraités et restaurants ont voulu faire partie de ce projet, ce qui a été très étonnant et très émouvant d'ailleurs. Avec le temps, le nombre de jouets récoltés a augmenté, comme l'a dit Manuela l'a dit. On est passé d'année en année, on a augmenté de plus de 200, 300 jouets. Donc là, nous sommes à 960. C'est quand même énorme sur une commune comme Montluçon. Avec le temps, on a eu de cette notoriété. Et puis, le plus important, je pense pour moi, pour nous tous d'ailleurs, en tant que membres du CMJ, c'est le fait que ces jeunes-là, collégiens, ce ne sont pas les parents qui les ont demandé de donner. C'est eux qui ont voulu donner. Et comme Manuel l'a dit, certaines personnes âgées ont acheté, mais des jeunes ont voulu acheter aussi pour offrir. C'est le plus impressionnant, c'est qu'on se rend compte du contact qu'ont les jeunes envers eux-mêmes. Ils savent que la personne d'à côté peut avoir besoin et ils donnent. C'est très impressionnant. Et a été rajouté donc les personnes âgées. On peut dire que dans un contexte aussi fragilisé et aussi tendu qu'est Montluçon et la France entière, on a besoin de cette solidarité. Et cette preuve des jeunes et des personnes âgées qui se greffent au projet prouve que cette solidarité est très forte. En particulier dans des périodes de fêtes où les différences se font le plus ressentir avec le fait que certains ne peuvent pas se permettre d'avoir un Noël. Cette année, encore une fois, le CMJ a voulu agir. Et tous les jeunes, et ici, c'est intéressant de le noter, nous n'avons que des nouveaux membres. Des nouveaux membres qui sont rattachés au projet, qui ne le connaissaient pas, ou qui le connaissaient plus ou moins, et au fil du temps, ils sont rattachés à ce projet. Ils l'ont communiqué. Le résultat, c'est 960 jouets que nous avons donnés à vous trois associations, donc les Restos du Cœur, Épis de Lumière et Pénélope. Pénélope, donc les Restos du Cœur et Épis de Lumière. Nous vous remercions aussi pour tout le travail que vous faites dans le milieu associatif, parce que ce n'est pas rien. Et nous espérons, et il est primordial, que des projets comme ceux-ci reste présent à Montluçon, en France et même, j'oserais dire, dans le monde. Il faut que cette solidarité continue et cette union soit présente. Vous voulez que je dise après ça ? Bravo. J'ai rien à dire. C'est vos valeurs qui sont importantes pour nous. Oui. Savoir que cette jeunesse a des valeurs qui se sont quand même transmises. Hein. Alors qu'on avait l'impression de dire oh, les jeunes. Non, bah, bravo. C'est l'image, effectivement. Mmh. Bravo. Puis, on touche justement, comme Manuela me l'a précisé, oublié. ce qu'il faut savoir, c'est qu'on touche donc les enfants malades dans les hôpitaux, au service pédiatrique de Montluçon, donc le magasin, donc Pénélope, et justement les familles. C'est des familles, ce n'est pas que seulement des enfants, mais des familles entières qui vont être contentes d'avoir un Noël. C'est beau de savoir que, même si elles ne peuvent pas avoir de sapin, au moins leurs cœurs seront réchauffés par un peu de bonté, de solidarité et de joie. Bravo. 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 Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire qui n'a pas déjà été dit? Pourtant, il y a des choses qu'on doit répéter parce qu'elles sont tellement belles qu'il faut se gargariser avec. Oui, la solidarité, c'est maintenant ou jamais. Le monde devient difficile, le monde est compliqué, il y a trop de choses, il faut qu'on reste soudés par le cœur, puisqu'on ne peut pas trouver de moyens de s'entendre sur autre chose. Moi, je dis merci pour tout un tas de raisons. D'abord, tu disais, les personnes âgées, Noël, je te souhaite ce merveilleux bonheur d'être grand-père un jour. Et tu verras que, contrairement à ce qu'on pense, plus les années passent, plus Noël, quand on est grand-parent, prend un aspect important et différent et lumineux parce que on se projette sur l'enfant qui est notre futur, hein, tu vois. Et ce Noël, il est pratiquement plus important que quand on était soi-même un gosse où on ne se rendait pas trop compte. Mis à part, bon, qu'il y avait un Père Noël. Enfin bon, moi, personnellement, je l'ai connu que très très tard, ce Père Noël. Donc c'est pour ça que je suis particulièrement sensible aussi à votre demande, parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui n'auront pas. C'est vrai qu'il y a des enfants qui, grâce à vous, vont avoir. Ça, c'est très important. Que les personnes âgées se greffent à votre projet, moi, ça ne me surprend pas. Parce que
Noël, on a tous gardé une âme d'enfant. Hein, Noël, c'est... D'ailleurs, il n'y a pas que les enfants qui fêtent Noël, les grands aussi fêtent Noël, et Dieu sait s'ils sont contents. Je me suis fait voler mon portable hier, et tout de suite, j'ai dit, oh, Papa Noël, si tu pouvais m'en ramener un autre, ça serait génial. Tu vois, voilà. Ah, mieux que celui que j'avais. Voilà. Et donc, voilà, il y a des choses, et il y a aussi une chose qui est importante, c'est de... On a trop tendance, et hélas, la vie nous montre un peu qu'on a raison, on a parfois tendance à montrer du doigt les mauvaises personnes. On dit, les jeunes d'aujourd'hui... ils aiment plus ça, ils font pas ci, ils font pas ça, ils sont comme ça. Oui, mais bon, il faut qu'on arrête ça aussi, de montrer du doigt les vilains, et puis il faut qu'on mette un petit peu en avant les gentils comme vous. Voilà. Et quand on voit des gentils comme vous, eh ben on se dit, il y en a encore, ça fait du bien, notre avenir, il est là, et puis on va les aider à le construire, et normalement, si ces jeunes-là ne changent pas, eh ben l'avenir, il sera meilleur. Voilà. Alors, je ne sais plus qui a dit « Un homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il se penche pour aider un enfant. » Moi, je dis qu'un jour, vous serez des grands. Je vous le souhaite. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et vous vous rappellerez, quand vous serez grand-mère ou grand-père, qu'effectivement, à un moment, vous avez permis à des enfants d'avoir le sourire à un Noël. Et je suis sûre qu'avec ces actions-là, quand vous allez bientôt ouvrir vos propres cadeaux, vous verrez que... votre Noël à vous, il sera encore beaucoup plus lumineux. Merci. Je profite, si vous permettez, beaucoup de dire un mot au nom de l'association Pénélope et remercier le conseil municipal jeune, monsieur le président, toutes mes félicitations. Grâce à vous, chaque année, et les jouets collectés, nous permettent d'organiser un arbre de Noël, non pas pour nos magasins, mais pour nos salariés, pour les enfants de nos salariés en insertion. Et c'est vrai que c'est très difficile d'avoir des jouets. Comment vous dire, cette action, elle est généreuse, c'est vrai, mais elle s'inscrit aussi dans le développement durable, l'éco-citoyenneté et l'économie circulaire. Il ne faut pas l'oublier, puisque rien ne se perd et tout devrait se transformer. Et pour conclure, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Un grand monsieur a dit que le vrai bonheur consistait à rendre les autres heureux. Eh bien, vous allez rendre les enfants heureux, et pour ça, je vous remercie. Vous avez raison. Bon, moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, j'admire d'avoir vos valeurs et que je suis contente de voir qu'elles vont se transmettre parce que vous êtes, comme vous disiez, il va y avoir d'autres enfants et ça continuera et tant mieux. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est que souvent, nous, on donne les jouets aux parents, mais même les parents, il faut voir ce sourire qu'ils ont, cette attente, hein, il n'y a pas que les enfants. Hein. Donc, merci. Merci. Merci à vous. Après, il y a une répartition, je crois, hein, par rapport à la qui est déjà faite. On va faire une photo. Pas de souci.